Nous sommes ici sur le nouveau site devant abriter le rassemblement périodique des usagers du marché de Ouagbou en attendant l'achèvement des travaux du projet de réhabilitation du principal marché de cette ville. C'est un leadership que je dois vraiment au comité de gestion du marché. Ils ont beaucoup compris et ça a fait que les usagers sont d'accord. Hein. Ils sont d'accord quand vous allez encore sur le nouveau site. Ils sont déjà en train de s'installer déjà timidement. Et après ce marché-ci, il n'y aura plus personne là-bas. Donc, ils sont contents. Ils sont contents qu'on leur construise encore leur marché pour qu'ils reviennent. Ils en ont marre à la boue tout le temps, des années qu'ils sont en train de traverser les boues. Ça sera une réalité. Et leurs calvaires vont finir d'ici bientôt. Je remercie encore le chef de l'État pour ça. Les responsables du marché de Ouagbou n'ont pas manqué de remercier le gouvernement béninois pour ce nouveau projet. L'arrivée du président Patrice Talon, le bon Dieu aidant, on est en train de faire les trucs sur le nouveau site. Je remercie, depuis je suis très très contente, je ne sais même pas comment exprimer ma joie. Dans l'ancien site là, il y avait près de 2700 emplacements. Et ici, on n'a que 840 emplacements. Donc, on a dû installer les bonnes dames sans problème. Est-ce que vous voyez? Maintenant, celles-là qui n'ont pas pu octroyer la place dans les hangars. Donc, on a jonglé à côté pour qu'elles puissent être satisfaites. Les autorités de la commune de Toffor invitent les usagers du marché de Ouagbou à s'installer sur le nouveau site afin de permettre à l'entreprise ayant en charge les travaux de construction de mieux évoluer dans ce projet. Je voudrais informer la population de Ouagbou et ses environs, tous les usagers du marché de Ouagbou sur le nouveau site, là, à savoir qu'à partir du marché prochain, il n'y aura plus de marché dans l'ancien site. Tout le monde sera dans le nouveau site. Je leur demande de ne pas s'entêter. Je sais qu'ils ne s'entêtaient pas, mais d'accompagner vraiment le projet pour que ça ne dépende pas de nous, le retard de livraison. Le rêve des usagers du marché de Ouagbou deviendra une réalité d'ici quelques mois.